La pop, la musique commerciale, vous l'aimez bien. Au fond, vous l'aimez bien. Vous n'allez pas l'admettre parce que personne ne l'admet. Mais quand il y a le morceau du moment qui passe, ça vous fait un petit quelque chose. Vous le méprisez, mais vous l'aimez bien. Comme l'écrit Agnès Guéraud, personne n'a jamais pris ce cirque pour un paradis, mais les panneaux de carton-pâte sont décidément trop hauts pour que quelqu'un s'avise de regarder au-delà. Eh bien, c'est pourtant absolument ce qu'on va faire. On va regarder en long, en large et en travers de cette grande farce. <music> Et très paresseux, probablement très primitif dans ses goûts. S'il fallait résumer la pop à grands traits, euh, j'emploie pop dans un sens très large, au sens de musique commerciale, c'est un répertoire de situations type qui tourne avec plus ou moins de finesse autour de l'amour. So many songs nowadays go with that concept of love in terms of heartbreak, in terms of. Comme Boris Vian l'avait noté, le tube, c'est d'ailleurs lui qui a inventé ce mot dans ce sens-là, c'est toujours en gros l'histoire d'un gars et d'une fille dans un décor urbain et que chacun peut faire résonner avec son expérience et donc s'approprier l'enthousiasme du bébé danse avec moi ou le chagrin du bébé ne veut plus de moi. Et ça, c'est vraiment le propre du morceau de pop c'est de raconter quelque chose d'excessivement banal et cliché, et en même temps de donner l'impression qu'il s'adresse à nous personnellement. Il est fait pour une diffusion de masse, pour plaire au plus grand nombre en mobilisant dans l'imaginaire collectif ce qu'il y a de plus commun, et en même temps il donne l'impression de s'adresser à ce qu'il y a de plus singulier dans chaque individu, et donc chaque auditeur a toujours un peu l'impression que la chanson parle de lui parle de sa situation. La musique populaire, elle est populaire parce qu'elle valide des idées qui sont dans l'air du temps. Elle confirme euh, des codes, des attitudes, des façons d'être, des façons de penser, qu'on reconnaît et qui s'en retrouvent renforcées. Et du fait qu'on s'approprie la musique et qu'on y investit notre expérience, elle permet de vivre la banalité sur un mode un peu fantaisiste, de lui donner le charme d'une espèce de scénario. En fait, la banalité de la chanson nourrit et perpétue des idéaux. Des idéaux mièvres, mais des idéaux quand même. C'est-à-dire que même quand elle parle de rupture, la chanson perpétue un idéal amoureux. Et c'est de là que vient la pression sociale qu'elle peut exercer et qui fait que beaucoup de gens, même inconsciemment, modulent leur vie sur celle des chansons pour que les chansons s'adressent à eux. C'est exactement ce que dit Annie Arnault dans les années, quand elle raconte que, au moment où le morceau Si Sex and Son était à la mode, elle est restée avec un homme qu'elle aimait pas, juste pour ne pas se sentir exclue de l'univers évoqué par ce morceau qui passait en boucle un peu partout. Et je pense que, Arnault, c'est un assez bon indicateur d'un comportement moyen. C'est de regarder autour de soi le monde. Et se dire que c'est pas possible. Le fait qu'il s'agisse toujours dans la pop de retrouver quelque chose qu'on sait déjà, c'est un de ses traits les plus caractéristiques. Tout dans la pop repose sur ce principe, et d'abord parce que la pop est entièrement fondée sur la répétition. Like religion, pop knows that repetition is key. La musique commerciale, c'est vraiment celle qui exploite le plus ce plaisir du retour qui est propre à la musique, mais dont elle fait la clé de son mécanisme. Pour reprendre une expression de Peter Sandy, le tube c'est une force de répétition qui croit à force de répétition. Et ça passe notamment par une répétition à outrance du refrain. Évidemment, le refrain c'est ce que les gens attendent le plus, et donc vous avez souvent le refrain qui est placé dès le début du morceau, et en fait les couplets ne sont qu'un prétexte au refrain, la répétition de certains mots. L'usage really, 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 really. like 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 de boucles mélodiques courtes qui parce qu'elles sont courtes, reviennent souvent, et finalement c'est tout le morceau qui est fait pour être lui-même répété. La pop se prête à une répétition sans fin parce qu'elle stimule un désir dont on ne vient jamais à bout, et elle procure des émotions qu'on a toujours envie de revivre, comme s'il s'agissait d'arriver à un point qui n'arrive jamais. D'où l'expression ⁇ écouter en boucle ⁇ Écouter en boucle et tourner en rond, c'est bel et bien l'enjeu premier de la musique commerciale comme le disait feu milan kundera le bonheur et désir de répétition et ils l'ont bien compris. You could basically take any et la boucle la répétition qu'est-ce que c'est c'est la négation rassurante du temps qui s'écoule et la promesse d'un présent qui passe pas et c'est probablement pour ça que ça plaît autant, et d'ailleurs, il y a pas mal de morceaux qui parlent eux-mêmes de leur pouvoir de répétition, comme ce chef-d'oeuvre des Daft Punk qui porte bien son nom. Et il y a aussi des morceaux dont le thème repose sur une métaphore de l'addiction. À l'échelle du genre, encore une fois pris dans un sens large, la répétition c'est aussi le fait que la pop a créé des codes que les gens aiment reconnaître et qui s'attendent à retrouver. Et c'est ce qui fait que la pop, c'est vraiment l'excitation de la nouveauté dans le confort de l'habitude. Et d'un morceau à l'autre, il faut juste reprendre les mêmes bases et mettre juste assez de variations pour qu'on ait l'impression d'écouter quelque chose de nouveau, mais d'une nouveauté qu'on connaît par cœur. Et à cet égard, vous avez peut-être remarqué que la reprise... C'est quelque chose qui se fait de plus en plus souvent et évidemment quelque chose qui incarne par excellence ce goût du même. Alors il y a eu l'année dernière Jack Harlow qui a repris le morceau de Fergie et plus récemment pas mal d'autres exemples qui font pas forcément de la pub pour l'imagination de l'industrie musicale. Le fait que les gens prennent plaisir à trouver ce à quoi ils s'attendent, du point de vue des producteurs, c'est évidemment un prétexte idéal pour faire aucun effort et beaucoup d'argent. L'industrie musicale, et c'est en ça que c'est une industrie, ne fait que reproduire un modèle qui garantit son succès, et c'est tellement rationalisé qu'elle sait parfaitement quel genre de mélodie, quelle note, quelle parole utiliser pour que ça marche. La BBC Radio One a recensé les mots les plus utilisés dans les chansons les plus jouées à l'antenne. Every, Never, Need, Night, Younger. Comme l'expliquait notre ami, ça fait des années. Voire des décennies que la plupart des morceaux sont construits sur la base des quatre mêmes accords. Et tout ce qui change, c'est leur disposition et le semblant de mélodie auquel ils peuvent donner lieu. <mérite> <mérite> et ça va même plus loin parce que apparemment, il y aurait une note qui serait la note de l'arnaque garantie. Et on voit par ailleurs euh, à tous ces exemples comment la banalité du propos dont je parlais tout à l'heure se reflète dans le caractère générique de la musique elle-même. Comme disait Adorno quand il commentait la standardisation dans l'industrie musicale, tout ça c'est une reproduction planifiée du médiocre. Et la pop n'a pas besoin d'en faire trop pour une raison très simple, et ça ne va pas être un scoop, c'est qu'elle ne s'adresse pas à notre intelligence. Elle s'adresse à notre corps et à nos affects. Tout est fait pour vous prendre corps et âme. La musique agit sur le rythme cardiaque, la tension artérielle, la fréquence respiratoire et plus encore. Musik bei bestimmten Höhepunkten in der Musik empfinden wir Höhepunkte wie eben beim Sex oder beim Et parce que la musique a un tel pouvoir parce qu'elle nous touche aussi profondément dans une perspective commerciale la mélodie est beaucoup plus importante que les paroles ou le sens du morceau. D'une certaine manière, il n'y a même que la mélodie qui compte. C'est pour ça que dans beaucoup de cas, les chanteurs commencent même par inventer des mélodies en chantant n'importe quoi et ils viennent ensuite écrire par-dessus. C'est-à-dire que le texte n'a aucune motivation propre, il est juste au service de la mélodie. Souvent le choix des mots, en particulier pour le refrain, est tellement pas motivé par un souci sémantique qu'il l'est entièrement par leur sonorité, quitte à ce qu'ils ne veuillent rien dire. Hey. Et on se retrouve comme ça avec cette espèce de charabia glamour où le charme des sons rachète l'échec du sens. Est-ce que je dois préciser que ce contexte ne favorise pas la prouesse lyrique Je crois que non. Et on a pu montrer que la plupart des textes d'un gars dont vous avez peut-être jamais entendu parler, qui s'appelle Max Martin, c'est un auteur-compositeur suédois qui est derrière une bonne partie des plus gros succès de ces 20 dernières années.

I found that one words were my friend et idéalement même l'usage de sons inarticulés Nanas, yos, wo hey hey, Les hooks, les accroches utilisées pour capter et retenir l'attention marchent même d'autant mieux qu'ils ne veulent rien dire parce que c'est cela qui vous reste le plus dans la tête. Alors ce qui est intéressant avec cette pratique là en particulier c'est la manière dont elle s'inscrit dans la dynamique globale de la culture de masse. Si on se réfère à ce que disait Christopher Lach, dans l'idéologie libérale, tout ce qui peut distinguer les individus et les empêcher de former une masse est mauvais pour le marché. L'intelligence, la sensibilité, euh, l'appartenance, la culture, etc. etc. Et la démocratisation de la culture, entre guillemets, suppose qu'on arrache l'individu à toute forme d'enracinement, et de particularité. C'est ce qui fait que la simplicité et l'universalité, c'est les deux horizons de la culture de masse. Et, évidemment, ces sons inarticulés, ils participent de ce projet parce que ils ne discriminent ni intellectuellement ni linguistiquement. C'est-à-dire que vous risquez pas de perdre une partie du public parce qu'ils ne parleraient pas la langue, parce que c'est pas une langue, et même les esprits les moins gâtés, a priori, avec Onana, ils devraient s'en sortir. Et donc... Ces sons inarticulés, ils ont une portée universelle, ils se prêtent à une communion de tous, c'est-à-dire à une vente à large échelle, par-delà toute forme d'appartenance et de distinction. Adorno avait pressenti dès le début des années 40 ce que la pop ne manquerait pas de devenir et il parlait à cet égard de baby talk. Il disait que la musique populaire américaine se distinguait par deux traits en particulier. Le premier, c'est la répétition des mêmes formules musicales, qu'il assimilait à l'attitude de l'enfant qui ne fait que répéter sans cesse le même désir je veux être content. Et le deuxième trait, c'est le fait que la plupart des mélodies se résument à quelques notes, ce qui comparait au babil de l'enfant qui n'a pas encore fait connaissance de l'alphabet. Alors, il y aurait évidemment 1000 textes qu'on pourrait citer à l'appui de cette thèse, mais il se trouve que je suis tombé par hasard en préparant cette vidéo sur un site euh, qui est, si j'ai bien compris, une espèce de chat GPT pour la musique, et qui se proposait de m'expliquer le sens du morceau I'm Good de David Guetta. Alors c'est vrai que la première fois que j'ai entendu ce morceau, j'ai désespéré d'en connaître le sens. Alors, quel ne fut pas mon plaisir de tomber sur cette page qui me faisait la promesse de son dévoilement Quel est le sens de la chanson I'm Good Le chanteur. On va déjà mal partir. Le chanteur passe ou va passer un bon moment et n'a besoin de rien d'autre. Il est prêt à tout pour ce qui se passe ce soir et ne fait pas la fine bouche. Il veut juste s'amuser et se lâcher. Rien ne l'empêchera de s'amuser. Il invite les autres à se joindre à lui et à s'amuser aussi. Voilà pour la trame narrative de ce morceau, et vous aurez remarqué qu'elle correspond quasi littéralement à ce que disait Adorno. Hein, C'est-à-dire qu'elle consiste dans la répétition d'un seul et même souhait, hein, celui d'être heureux, celui d'être good. Et il y a un refrain qui incarne à lui seul toute cette espèce euh, d'enfantillage de, ludique qui défie les contraintes de la vie adulte par la répétition amusée de son insouciance, c'est Fancy d'Iggy Azalea. Mais si ce ton marche, c'est qu'il plaît, hein, et euh, probablement que les gens apprécient cette espèce de dédain d'enfant roi euh, qui a peut-être leur miroir inversé de leurs conditions. Et dans ce contexte de puérilité tardive, on ne sera pas étonné de voir fleurir ce genre de voix. La simplicité, pour ne pas dire la niaiserie, qu'on peut trouver dans la musique commerciale. Jusqu'à un certain point, elle est voulue par les auditeurs. Parce que dans la mesure où ils investissent les morceaux de leurs affects, c'est leurs affects qui simplifient en les objectivant. Il ne vous aura pas échappé que les émotions évoquées et suscitées par la musique commerciale sont tout aussi caricaturales que la forme de la musique elle-même. C'est des émotions euh, attendues, euh, standardisées, grossières. C'est toujours soit le festival, soit l'abattement. La nuance, évidemment, c'est trop compliqué, ça rapporte pas. Et donc, les artistes, les producteurs, les fabricants, j'ai envie de dire, mettent juste assez de ce qu'il faut pour faire résonner la vie des gens avec des cadres rassurants qui apprivoisent l'imprévu en en exacerbant le pathétique et qui dispensent de penser en obligeant à ressentir. Et c'est la raison principale du pouvoir de cette musique, c'est qu'elle satisfait une envie de se complaire dans ses émotions. Tout En enlevant à ses émotions ce qu'elles peuvent avoir d'inquiétant ou d'inexplicable, elle permet de résorber ce qu'on ressent dans un moule générique et de socialiser son ressenti, et donc de se sentir moins seul, en le greffant sur une forme qui est partagée par la foule. Alors, je disais au début de la vidéo que la pop c'était un répertoire de scénarios, de situations type. Récemment, on a eu ce morceau de Miles Cyrus qui est une sorte d'ode à l'indépendance. Et maintenant, grâce à Selena Gomez, les filles qui sont sur le point de quitter leur mec ont elles aussi leur petit team national. Voilà, c'était tout le bien que j'avais à dire de la pop. Un dernier mot, un dernier mot, euh, alors de façon peu élégante, je conclus en parlant de moi. J'en suis navré. Simplement pour vous annoncer que j'ai commencé une newsletter. Dans cette newsletter, j'envoie chaque semaine un texte, une sorte de micro-essai